Bienvenue pour Game of Thrones saison 6, épisode 2, Home, en 180 secondes. Pour ceux qui ont regardé la chronique du premier épisode, vous savez que je n'ai pas été très convaincu. Et ce deuxième épisode, bien qu'un petit peu mieux, a les mêmes travers que le premier. Déjà, la force de cet épisode, c'est d'avoir un petit peu moins d'intrigue. J'entends par là que le premier en avait 11, ici on en a 9. C'est moins, mais ça reste beaucoup, et le rythme en souffre forcément. Je vais donc vous les lister, pour qu'on puisse en parler plus en détail après. Nous avons Bran, le mur, Cersei et son fils, le roi, Jaime, Tyrion, Arya, les Bolton, Sansa et les Greyjoy. Ça fait beaucoup. Dans les plus, j'ai envie de mettre l'histoire de Bran dans les plus. Pas parce qu'elle est intéressante, elle ne l'est pas, à part pour voir Max von Sydow, ça fait toujours plaisir, mais parce que les créateurs ont eu l'intelligence d'utiliser pour une fois une ellipse. Et les ellipses, ça pourrait vraiment redonner du sens à cette série et vraiment du rythme. On l'a pas vu pendant une saison, c'était pas forcément nécessaire étant donné que son voyage continuait pas, son voyage initiatique j'entends, ne continuait pas. Le seul truc gênant, c'est que là on le retrouve et c'est que ça avance pas. C'est quand même fabuleux d'avoir suivi un personnage pendant 6 saisons qui avait un objectif qu'il ne comprend pas et qu'on comprend pas. C'est un petit peu comme si Sam et Frodon allaient dans le Mordor et puis savaient pas trop ce qu'ils allaient foutre là-bas. Bah nous du coup on a du mal à suivre, enfin en tout cas moi j'ai du mal à m'attacher à ce personnage. Au niveau du mur, il se passe beaucoup de choses, notamment la résurrection de Jon Snow. C'est très attendu, enfin de mon point de vue j'y ai jamais cru. Mais au moins il y a de l'action, il y a notamment l'arrivée des Sauvageons qui est assez classe, le géant est toujours aussi bien fait, donc c'est cool. Au niveau de Tyrion, c'est intéressant parce que c'est le seul personnage intelligent de la série. C'est évident qu'à partir du moment où Cersei est partie, le truc qu'il fallait faire, c'était libérer les dragons pour qu'ils la retrouvent. Ou à partir du moment où Daenerys perdait le pouvoir, il fallait aussi libérer les dragons pour rappeler qui c'est que c'était la reine. C'est pas très français ce que je viens de dire. Et du coup, c'est cool d'avoir enfin ce personnage qui réfléchit et qui va libérer ses dragons parce que putain, il était temps. Au niveau de Sansa, c'est pas très intéressant, mais au moins il se passe quelque chose, à savoir que le Greyjoy la quitte. Et voilà, au moins c'est intéressant de filmer ça parce qu'effectivement, il y a une intrigue sur son chemin. Il se passe quelque chose, on la voit pas juste manger sa tambouille. Les effets spéciaux sont toujours très réussis, aussi bien au niveau des dragons qu'au niveau du géant, donc ça c'est cool. Au niveau des moins, on a toujours l'histoire de Cersei et Jaime, ça parle pour rien, notamment le petit roi qui fait « Ouais, je vais faire quelque chose, mais ta gueule, et juste fais-le, par pitié !» Ensuite on a Arya, donc je vous parlais de l'intérêt de l'ellipse. Arya, ça fait 3 saisons qu'on devrait ellipser son histoire pour la retrouver plus tard, une fois qu'elle aura fini son voyage, parce que ça m'intéresse pas d'avoir se prendre des coups, vraiment. Bolton, c'est lourd, il est méchant pour être méchant, il y a un moment c'est trop, je trouve. Au niveau de la famille des Greyjoy, on a un nouveau personnage trop mystérieux, à voir ce que ça va devenir, mais pour l'instant ça tombe un peu à l'eau, et pour ceux qui ont vu l'épisode, la réplique est un petit peu drôle, enfin, je trouve. Et globalement, voilà, ça joue avec beaucoup de suspense, c'est là où en fait il n'y en a pas, et du coup c'est longué et je trouve pas très intéressant. J'espère donc qu'on va partir sur un vrai conflit grâce à la résurrection de Jon Snow qui va peut-être essayer de prendre le Nord ou peut-être d'affronter les marcheurs qu'il avait rencontrés dans la saison précédente dans un épisode qui était fantastique. En tout cas, je croise les doigts parce que je trouve que pour l'instant c'est toujours pénible à suivre même si ça va vers le mieux. Top ! 2,59 et 74 centièmes, c'est pas 3 minutes, mais c'est pas mal. Bon, eh bien je vous invite à me donner votre avis, je pense que vous serez peut-être un petit peu plus enclin à aimer ce retour de Jon Snow. Et puis, likez, commentez, partagez, à vous abonner même, et je vous donne rendez-vous très bientôt, dans une semaine, pour l'épisode 3 de la saison 6 de Game of Thrones en 180 secondes.